Boa tarde a todos, a todas e a todos. É com uma imensa alegria que a gente dá início a mais uma live do nosso discurso em tempos de pandemia. Hoje a gente tem a grata satisfação, a alegria muito grande de contar com a professora Sophie Moarran. Né? Uma honra extremamente grande, né, para o nosso modesto projeto de extensão contar com a professora Sophie Moarran, tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação em português da professora. Na sequência, a Tamires faz uma apresentação em francês. E, posteriormente, então, a essa apresentação, a professora Sophie Moarran vai proferir a sua conferência. Tá? Bom, professora Sophie Moarran é linguista francesa e uma das maiores discursivistas da atualidade. Ela é professora da Universidade Paris 3, Sorbonne Nouvelle, e ela fez, entre outras coisas, ela fundou o CEDISCOR, né, que é o Centro de Pesquisa sobre Discursos Ordinários e Especializados. Tá? Seus interesses de pesquisa seguem quatro grandes eixos: repensar o dispositivo teórico-metodológico da AD francesa, trabalha também com o discurso das mídias, o discurso da divulgação científica nas mídias e o ensino de línguas, tá? Em relação ao primeiro eixo de trabalho da professora Sophie Moarran, eu queria fazer menção a quatro conceitos que ela repensou, vem repensando, né, que contribuem de maneira muito grande para a análise do discurso francês, né? Então, é de autoria da professora Sophie Moarran repensar o conceito de formação discursiva e de memória discursiva, pensando-os no âmbito do interdiscurso, ou seja, pensar então não apenas uma memória discursiva ou uma formação discursiva, mas pensar também uma formação e uma memória interdiscursiva, né? O conceito de momento discursivo e o conceito de pequenos corpora. São trabalhos que abrem perspectivas extremamente inovadoras para os trabalhos em análise de discurso na atualidade, tá? Seus principais livros são O Discurso da Imprensa Cotidiana, Observar, Analisar, Compreender, publicado inicialmente em 2007 e depois republicado em 2008. Ensinar a Comunicar em Língua Estrangeira, publicado inicialmente em 82 e depois em 1990. Situações de Escrita, Compreensão, Produção em Língua Estrangeira, publicado inicialmente em 1979. Depois, Uma Gramática dos Textos e dos Diálogos, publicado em 1990. Uma História do Discurso, uma análise do discurso da revista Le Français no Le Monde. E Le Français Actuel, que é uma publicação junto com Rémy Porquier e Bernard Quémada, tá? A professora Sophie Moarran dirigiu 19 teses, dentre elas está, por exemplo, a de Patrick Charodot e de Marianne Pavot. Ela presidiu também o júri de 10 teses, tá? A professora Sophie Moarran também é muito conhecida aqui no Brasil. Ela já veio várias vezes e publicou vários artigos e capítulos de livros aqui no contexto brasileiro. Publicou, por exemplo, em 2018, perdão, no livro Sujeito, Texto e Imagem em Discurso,
o capítulo A Mediatização dos Acontecimentos, uma análise do discurso entre língua, memória e comunicação. Publicou em 2020 no livro Análise do Discurso, Apontamentos para uma História da Noção, Conceito de Formação Discursiva, o capítulo Discurso sobre as Ciências e Posicionamentos Ideológicos, Retorno sobre as Noções de Formação Discursiva e de Memória Discursiva. Publicou, por exemplo, na revista Rua da Unicamp, o artigo Formas Discursivas da Difusão de Saberes na Mídia. Publicou também na revista Bakhtiniana o artigo A Divulgação Científica no Cruzamento de Novas Esferas de Atividade Linguageira. Publicou muito recentemente, em 2019, na revista Heterotópica da Universidade Federal de Uberlândia, o importante artigo Uma Semântica do Discurso, Alto Havaí da Atualidade, Elementos para uma Análise do Discurso das Mídias. E teremos também a grata satisfação de contarmos na próxima edição da Linguasagem, né, a publicação também do importante artigo da professora Sophie Moirin, L'apport de petit corpus à la compréhension des faits d'actualité. E essa publicação, queria registrar aqui um agradecimento especial ao professor Décio Rocha, que detinha os direitos de tradução e gentilmente cedeu para publicarmos na Linguasagem, tá? Então, professora Sophie Moirin, seja muito bem-vinda, tá? E agora a Tamires vai fazer uma sucinta apresentação em francês da senhora. Muito obrigado em nome do nosso grupo de estudos, do nosso departamento e da nossa Universidade Federal de São Carlos. Merci, merci beaucoup. Merci. Tamires, tá no mudo. Pardon. Como nós allons vous, le professeur Sophie Moirin a um excellent programme, mais ici nous allons faire un résumé plus simple et plus informal. Bom, nous avons le privilège de recevoir ici d'un discours en temps de pandémie, car elle est une grande chercheuse et chère enseignante. Sophie Moirin est professeure émérite depuis septembre 2011 de l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Elle est linguistique française et est un des plus grands discursivistes aujourd'hui. Et elle a fondé le CDiscours, Centre de Recherche sur les Discours Ordinaires et Spécialisés. Moirin est l'auteur de plusieurs des articles et livres, dont c'est traduit en portugais, comme Les Discours de la Presse Quotidienne, Observer, Analyser, Comprendre. Elle a récemment publié dans la revue Hétérotopique de l'UFO l'important article Une sémantique du discours au travail de l'actualité, élément pour l'analyse du discours des médias. Au nom de notre groupe d'études LEDIN, bienvenue professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, et je donne la parole à vous, merci. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas encore écrit sur cette pandémie, dite la COVID-19 en France, mais j'ai recueilli un corpus de données diverses lors d'instants discursifs, tout en lisant, relisant des travaux récents de philosophie, sociologie politique, sciences politiques, qui constituent pour moi des apports essentiels à l'étude des discours. Donc, diapo 2.
Donc, j'attends la diapo 2. L'analyse de discours, donc je m'inscris dans un courant d'analyse de discours française, inspiré actuellement par le renouvellement d'une sémantique du discours, en partie impulsé par de jeunes chercheurs. L'AD est donc pour moi un programme d'analyse du sens. Le sens des mots est aussi celui des chiffres et le sens qu'ils prennent dans leur contexte et leur contexte. Mais j'attends la diapositive qui devrait arriver sur l'écran. Diapo numéro 2. C'est pas moi qui l'ai. La diapo numéro 2, j'attends. C'est pas moi qui l'ai. Voilà, c'est un programme donc d'analyse du sens et le sens, donc le sens de ce, je reprends hein, ce, la diapo. Je m'inscris dans un courant de l'AD, donc qui de l'AD française, inspiré par le renouvellement d'une sémantique de discours. Et l'AD est donc pour moi un programme d'analyse du sens. Le sens des mots, mais aussi celui des chiffres, comme on le verra en un cas. Et le sens qu'ils prennent dans leur contexte et dans leur contexte. Alors, c'est vrai que ça reprend des travaux collectifs hein, que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on avait commencé à travailler sur l'événement, la notion d'événement, il y a déjà assez longtemps, et on a d'abord travaillé sur une catastrophe naturelle qui a été publiée, travaux publiés dans les carnets du CEDISCORE 1. Et puis ensuite, on a travaillé à partir d'une crise sanitaire, d'accord, de crise sanitaire, parce qu'on a eu un contrat du CNRS pour travailler sur sciences, médias, politiques. Et donc, à ce moment-là, on a beaucoup plus tourné, on s'est beaucoup plus tourné vers les crises sanitaires. C'est les carnets du CEDISCORE 6, d'accord. Et là, effectivement, on a travaillé sur les relations entre sciences, médias, politiques et les publics. D'accord. Les publics qui devenaient vraiment quelque chose d'important. Donc, on n'était plus dans la transmission de connaissances, simplement, mais on était aussi dans la prise en compte des publics. Et ça fait l'objet des carnets du CEDISCORE 6. Et c'est ce qui est repris beaucoup aussi dans mon ouvrage, Les discours de la presse quotidienne. Alors, ce qu'il faut considérer, qu'effectivement, une crise sanitaire, et d'autant plus une pandémie, c'est ce que Marcel Mauss appelait un fait social, total, qui va mobiliser la totalité des membres d'une communauté dans toutes ses dimensions, culturelles, religieuses, économiques, juridiques, politiques. Et ça, j'ai aussi une troisième phase après avoir travaillé d'abord sur les catastrophes naturelles, ensuite sur les crises sanitaires. Ça a été aussi l'expérience que j'ai eue en étant invitée par l'équipe de recherche de l'Université de la Réunion, d'accord, dans l'océan Indien, c'est un département français, mais dans l'océan Indien, et pour voir un peu ce qui s'était passé lors de la crise du chikungunya, hein, qui est une maladie causée par un moustique. Vous connaissez Zika, ben c'est à peu près l'équivalent, mais c'est une autre maladie. Hein, Zika sévit au Brésil, le chikungunya sévit dans l'océan Indien. Et cette équipe de recherche a fait un gros travail sur cette crise. D'accord. Et j'ai beaucoup appris aussi avec ce travail. Alors, diapo suivante. Qu'est-ce qu'une crise ? Qu'est-ce qu'une crise ? Une crise est un événement inattendu, d'accord, qui marque une rupture avec le fonctionnement des institutions au point que leur mode ordinaire d'agir se montre inefficient. Il y a donc une montée des incertitudes, l'intrusion de nouveaux acteurs, une espèce de saturation des capacités de communication.
ce qui provoque un blocage de l'action des autorités publiques qui vont tarder à prendre les mesures de la situation avant de mettre en place une stratégie de la crise. Et c'est ce qui, effectivement, s'était bien démontré pour la crise du chikungunya à La Réunion, parce qu'évidemment, le pouvoir central est à Paris, d'accord, et les représentants de l'État à La Réunion n'arrivaient pas à prendre de décision. Donc, ce sont finalement les journalistes qui ont permis d'apprendre des choses, les journalistes, les médias locaux à La Réunion, qui ont été voir sur l'Internet et qui ont permis, effectivement, de trouver des choses sur cette maladie et son traitement, puisqu'on ne savait pas du tout non plus la traiter. Voilà. Donc, effectivement, on peut considérer, diapo 4, l'effet et les effets d'une pandémie. Personne, par exemple, s'attendait à une pandémie mondiale en 2020. Or, une pandémie fait peur à travers la mémoire qu'on a des récits et des expériences antérieures. En fait, on n'a pas vraiment de mémoire de pandémie, on n'a pas l'expérience, ce n'est pas la mémoire expérientielle, d'accord, qu'on peut avoir pour d'autres événements. C'est pas la mémoire, mais on a des récits antérieurs, de la littérature, l'histoire, sur des pandémies comme la peste, d'accord, comme le choléra, par exemple. On a aussi parfois des romans qui existent, et puis on a aussi parfois des films de cinéma. Ce qui se passe, c'est qu'une pandémie s'étire sur un temps long, et effectivement, pandémie veut dire que ça s'étire sur un espace planétaire. Or, au fil du temps, le traitement médiatique de la pandémie va se fragmenter en instants discursifs dans la médiatisation qu'on en fait, et l'instant étant considéré comme le passage de l'éventualité d'un fait à son actualisation. Ainsi, par exemple, l'éventualité de l'arrivée du virus. Au départ, il est en Chine. Nous, on a été prévenus assez vite à l'université parce qu'on a beaucoup de relations avec les universités chinoises. Et la France, depuis longtemps, a des relations avec l'université de Wuhan. Donc, dès janvier, on avait à l'université le fait qu'il y avait un virus à Wuhan et qu'on nous déconseillait d'aller en mission en Chine, d'arrêter toutes les missions de relations universitaires entre la Chine et la France. Mais l'éventualité du virus, on ne savait pas s'il arriverait. Et puis, effectivement, les Français qui revenaient de Wuhan ont été mis en quarantaine, etc. Ça s'est bien passé. Et tout d'un coup, quand même, le virus est arrivé quand même. Puis sa propagation. Ensuite, vous avez l'éventuellement du confinement. Est-ce qu'on va confiner? Est-ce qu'on ne va pas confiner? Et puis, on a confiné. Et ensuite, on a eu un autre instant. C'était est-ce qu'on déconfine? Comment on déconfine? On a déconfiné, mais pas tout à la fois. Donc, il y a eu plusieurs déconfinements. Et maintenant, effectivement, on est dans l'éventualité d'une reprise. Donc, autant ce qu'on appelle des instants discursifs qu'on peut traiter au fur et à mesure de la pandémie. Diapo 5. Fait effet d'une pandémie. Effectivement, on s'apercevait déjà dans les années 97 que dans les histoires d'épidémie et dans les histoires, si vous voulez, les événements qui étaient de type sanitaire, il y avait toujours des relations entre la science, la politique, les médias et les publics, et bien au-delà, sur la fragmentation des voix à l'intérieur des différentes sphères d'activité langagière. D'accord. Bien sûr, on savait aussi que le rôle de l'État est important dans les transformations, et notamment en France, le rôle de l'État est important dans les transformations des rapports entre sciences et société en France, parce que les décisions ont été prises à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de créer effectivement un certain nombre d'institutions, disons, étatiques, qui s'occupent de, effectivement, ces questions. Or, il y a eu de profonds changements de relations entre la science et la société qui s'expliquent ces dernières années par la mondialisation, d'accord, et l'irruption des questions de risque dans l'espace public. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme le dit Bonneuil, je cite son article, sur ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale en France, c'est que maintenant le risque a changé de nature parce qu'il n'est plus question de l'externaliser en attribuant les catastrophes à Dieu, hein, d'accord,
Avant un tremblement de terre, c'était la colère de Dieu, hein, d'accord ? On ne peut plus attribuer les catastrophes à Dieu ou à la nature, d'accord ? Donc, effectivement, ce sont les États qui sont un peu responsables, enfin, qui sont considérés comme responsables par la population de ne pas l'avoir prévu. Alors, il y a l'impact des crises sanitaires récentes, hein, je parle en France, donc je passe à la diapo 6. L'impact des crises sanitaires récentes. Voilà, l'impact des crises sanitaires récentes. Donc, les crises sanitaires font partie quand même de la mémoire, disons, collective et interdiscursive des Français. C'est-à-dire, on a eu beaucoup quand même de crises un peu récentes en France. Il y a eu d'abord Tchernobyl, le sang contaminé, l'amiante, la maladie de la vache folle, vaca loca, ou MADCO en anglais, ou encéphalopathie spongiforme bovine, si on prend le nom scientifique. Il y a eu les grippes H5N1, et puis les suivantes, la grippe aviaire, la grippe porcine. Cela laisse des traces et entraîne une certaine méfiance dans la parole et dans les actions de l'État, quel que soit le parti politique au pouvoir. Moins présente, donc, parce que concernant essentiellement une île, à La Réunion, la crise du chikungunya, une maladie transmise par un moustique, hein, comme Zika, a provoqué une crise de confiance très forte dans les appareils d'État et les élus, mais au profit donc des médias locaux, parce que ce sont les médias locaux qui ont permis de connaître mieux cette maladie et de mieux s'en sortir, alors qu'il y avait déjà quand même beaucoup de morts à La Réunion. Donc, l'équipe de l'Université de La Réunion a beaucoup travaillé la notion de confiance telle que l'a travaillée cette équipe, parce que ça paraît un angle important dans l'analyse des médias et des réseaux sociaux lorsque les décisions des institutions de l'État sont contestées jusqu'à provoquer des manifestations contre ces décisions. Par exemple, il y a eu des manifestations en France, mais il y en a eu en Allemagne aussi, contre le port du masque. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de travailler, au fond, pour l'instant, hein, d'accord, à partir de petits corpus exploratoires dont je vais un petit peu expliquer. Par exemple, sur le rôle des chiffres, parce qu'effectivement, une pandémie va se traduire par l'énoncé de chiffres tous les jours, le nombre de morts, le nombre de cas, etc., le nombre de gens guéris, le nombre de gens qui ne sont pas guéris, et on va travailler là-dessus. Alors, dans un article paru au Brésil en 1990, je faisais part du rôle des chiffres, je travaillais alors sur plutôt la vulgarisation, la vulgarisation des sciences, et disons, c'était plutôt dans ce cadre-là que je travaillais. Mais j'avais pris des articles de médecine, et je me rendais compte, si vous voulez, de l'importance des chiffres dans ces travaux sur la santé. Alors, en même temps, parfois, je me demandais, il n'y avait pas beaucoup de chiffres, on avait des travaux sur 131 cas, et puis, avec un recul de 13 mois, je me demandais comment ça servait, mais c'est vrai que je me suis aperçue de ça. Or, le traitement de la COVID-19 l'a rappelé, y compris dans les écrits d'écran, on a beaucoup de chiffres, et donc j'ai fait plusieurs corpus exploratoires, dont un qui est un corpus d'écrits d'écran, donc c'est les bandeaux qui défilent hein, sur l'écran télé, et on va le voir tout de suite. Un autre corpus qui est d'articles dans Le Monde et Le Parisien aujourd'hui en France, des pages renvoyant aux instants discursifs remarquables. Alors, Le Monde, parce que c'est un journal d'information nationale et internationale, donc on a des renseignements sur les autres pays étrangers. Le Parisien aujourd'hui en France, parce que c'est un journal, disons, populaire. Alors, Le Parisien, c'est la version pour Paris. Aujourd'hui en France, c'est la version pour la province. Au milieu, il y a des cahiers qui changent, c'est tout, mais les informations internationales et nationales sont les mêmes. Et puis aussi un corpus de numéros de l'hebdomadaire Courrier International, qui est un hebdomadaire qui aide à comprendre l'actualité du monde en sélectionnant, là je dis ce que dit le journal, les meilleurs articles de la presse étrangère pour une vision internationale de l'actualité française et internationale. Parce que là, on a des visions très différentes, parce que par exemple aujourd'hui, enfin dans le numéro de cette semaine, on a un article qui a paru sur la France dans un journal allemand
et qui donne une vision de la France qui est intéressante. Donc ça, c'est cette semaine, hein, c'est le numéro du 17 au 23 septembre. La France où le virus se propage manque toujours de stratégie claire contre le coronavirus. Donc un article très critique dans un journal allemand par un journaliste donc qui n'est pas français sur la France. Et cet article nous donne des visions de voir comment la France est vue ailleurs en Europe. Et c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, c'est comme ça, j'ai vu. Il y avait des articles aussi sur le Brésil. Enfin, il y a des articles un peu sur tous les pays du monde. Et je trouvais intéressant d'avoir cette vision, si vous voulez, panoramique des autres pays vus par des gens de l'étranger. Voilà. Alors, on va commencer par voir la première partie sur le sens des chiffres et des mots qui font peur et leurs ambiguïtés cotextuel et contextuel. Donc, je vais partir de la diapo 8 et la diapo 9 plutôt, d'accord ? La diapo 9 qui est un exemple d'interprétation médiatique. Une partie de la recherche qui influence les décisions de l'État en matière de santé publique repose sur des statistiques, d'accord ? Des chiffres. Encore faut-il savoir les comprendre. Et je vais reprendre un exemple qui est paru récemment dans le journal « Vie de la recherche scientifique ». C'est un journal syndical, hein, d'accord, qui a sorti un numéro au mois de juin très intéressant sur l'enseignement supérieur et la recherche en temps de coronavirus. Et il y a une partie sur responsabilité et recherche, donc une partie sur l'éthique, effectivement, de la recherche scientifique. Et ils ont repris un exemple qui était lors de la maladie de la vache folle, hein, MADCO, en montrant que comment un article prudent, hein, d'accord, d'épidémiologiste britannique avait calculé, donc cet article avait calculé que la maladie de la vache folle ferait entre 63 et 136 000 morts. Ça a été interprété par les médias parce qu'ils ne croyaient pas à cette grande fourchette. Les médias n'y ont pas cru. Donc, ils l'ont transformé en disant que l'alerte que cette maladie ferait entre 63 000 et 136 000 morts. Or, se méprenant sur le résultat de cette recherche, qui est souvent le cas dans les recherches scientifiques, c'est-à-dire que à ce stade de la pandémie, enfin de l'épidémie, là, mais c'était quand même une épidémie en Europe, le nombre de victimes de la maladie restait incertain. Et c'est tout ce qu'on pouvait en dire. D'accord ? Mais en fait, les médias avaient transformé ça, effectivement, ne croyant pas que ça n'avait pas de signification, hein, cet essai, disons, de modélisation et de prévision n'avait pas de signification, donc on n'en savait rien. Alors, on ne savait rien sur cette maladie, et c'était bien le cas. Donc, je vais reprendre donc des chiffres maintenant de notification et des écrits d'écran. D'accord, la diapo 10. J'attends qu'elle arrive. Voilà. Alors, j'ai ramassé des notifications qui apparaissent sur l'iPhone, par exemple, hein, dans le métro, tout ça, je regarde, j'ai une notification qui me donne comme ça un nombre de chiffres. Et puis, notamment les écrits d'écran qui passent à la télé. Et les écrits d'écran, je les ai regardés sur BFM TV, donc qui est une chaîne d'information continue, hein, chaîne de télévision d'information continue, chaîne privée, d'accord, qui vit de la publicité, et qui je regardais tous les matins entre 7h et 9h le matin, et entre 19h et 21h le soir, puisque c'est les heures de plus grande consommation de cette télévision. Et en fait, je regardais les bandeaux qui passaient et qui passent parfois alors que l'on traite d'autres choses. Mais effectivement, les gens étaient attirés par ces bandeaux, en un cas. Alors, coronavirus, donc, vous voyez bien que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre les chiffres sont entourés de mots, en un cas. Donc, vous avez par exemple plus de 306 000 cas recensés dans le monde et puis aussi des comparaisons. Déjà, plus de morts en Italie qu'en Chine, mais est-ce qu'on peut comparer l'Italie et la Chine? Bon, j'y reviendrai là-dessus plus tard. Ou alerte info coronavirus. Alors, c'est vrai que quand on parlait d'autre chose, ça attirait le regard et on regardait ce qui se passait là. L'Italie a dépassé la barre.
Alors, vous avez ces images qui vont revenir, métaphoriques, dépasser la barre, passer la barre, franchissent la barre. Et puis, quelque chose qui est plus intéressant et qui va nous amener à justement considérer ces genres de chiffres différemment, c'est que vous avez le cap de 50 nouveaux cas par 100 000 habitants a été franchi hier à Bruxelles. C'est-à-dire que finalement, ces chiffres, que ce soit les chiffres des morts, le chiffre des cas, etc., il ne faut pas les regarder de manière, si vous voulez, unique. Il faut les regarder par rapport aux 100 000 habitants. On les rapporte, il y a un rapport qui va les regarder pour 100 000 habitants et vous regardez, que ça, vous verrez que ça donne des choses très différentes. Bon, alors vous avez des autres images comme le plateau, hein, le pic, etc. On passe à la diapo 11, on a encore d'autres exemples. Et peu à peu, ce qui est arrivé, ce qui m'a attiré mon attention, c'est l'apparition du mot record, d'accord, un record, d'accord. Donc un record, ça vient de l'anglais record, etc. C'est qu'on remarque l'apparition de ce mot et qui, en fait, désigne en principe un exploit sportif, qui dépasse ce qui a été fait avant, d'accord, dans le même genre et dans la même catégorie de sportif, d'accord. Or là, bien sûr, ce qu'on voyait, c'est, bien sûr, il y avait toujours question de gains, de pics, etc. Mais ce qu'on voyait aussi, hein, d'accord, dans ces informations, c'était nouveau record aux États-Unis, avec plus de 2500 morts en une journée. Un record, la France a franchi le cap des 20 000 morts. D'accord. Notification sur iPhone, aujourd'hui, tant de cas. Un record depuis la pic atteint avant le confinement. Voilà, donc vous aviez ça qui était assez étonnant, puisqu'on ne peut pas considérer ces chiffres sans les rapporter au nombre aussi d'habitants des pays. Bon, alors j'y reviendrai tout à l'heure, je vous montrerai ça sur de l'infographie. Alors, d'autres choses, c'est que il y a un certain nombre d'informations anxiogènes. Alors, ces chiffres sont en eux-mêmes anxiogènes, hein, bien sûr, même si ce sont des records qui devraient être un côté positif en sport, mais pas effectivement là. La crise, vous avez des informations anxiogènes qui apparaissent aussi dans les titres, les gros titres, et ce qu'on va voir tout à l'heure, que j'ai noté par une petite chose que vous voyez sur l'écran à la deuxième ligne, c'est ce que j'appelle les phrases détachées. Alors on verra des exemples, Magno a travaillé là-dessus d'ailleurs à une époque, c'est qu'il y a un article qui est assez long, et puis, on prend une phrase de l'article et on le met en gros à un endroit, avec une couleur en général, et c'est une phrase qu'on appelle des phrases détachées. Donc, évidemment, alors, il se trouve que les gens qui lisent les journaux en numérique, hein, ont tendance effectivement à lire essentiellement les gros titres et ces phrases détachées, notamment quand ils regardent ça sur leur iPhone, par exemple, dans le métro ou le bus, j'en vois souvent, hein, et puis je fais pareil, mais c'est vrai que là, on ne lit pas vraiment les articles. Donc là, on voit dans les titres comment se déroulent des informations qui deviennent un peu anxiogènes. Alors, d'abord, vous avez des critiques qui apparaissent, hein, dans les titres. La crise apparaît de plus en plus gérée au jour le jour, d'accord. C'est la guerre, disent les soignants, cette fois on y est. Des intertitres aussi, si vous voulez, qui sont anxiogènes, comme des morts et des larmes. Bon, aussi, les réflexions d'un infectiologue, mais c'est juste une phrase, hein, c'est dans un titre, parce que comme ça, j'ai peur d'un tsunami. En Italie, vous avez quelque chose comme triage pour la survie, c'est-à-dire qu'on en vient à trier les morts, enfin trier plutôt pour savoir qui on va laisser mourir et qui on va soigner. Et vous avez aussi, vous avez ces critiques qui arrivent aussi. Coronavirus, vous voyez bien l'exemple. L'état d'inconscience, hein, d'accord, estado de conscientia, l'état d'inconscience, bon, donc ça veut dire que l'état est inconscient, donc une critique qui apparaît brutalement dans un titre, et puis le confinement à petits pas, et après, alors évidemment, toujours dans le scénario du pire, les prévisions, mais qui sont faites comme ça, c'est sorti des contextes de prévisions et des contextes dans lesquels on a fait ces prévisions. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que vous avez une semaine, en gros, entre le journal du dimanche, le 15-03, la France se ferme, en accord, c'est fait de chat.
Et puis, vous avez un peu plus bas le confinement à petits pas. Vous avez aussi à l'épicentre, au milieu, d'accord, épicentre du virus, l'Europe se cloisonne, d'accord, parce que chacun se cloisonnait différemment. Et puis, vous avez en bas la France cloîtrée. C'est juste à une semaine. Hein. Le début, le 15-03, c'était juste le lendemain de la fermeture de tous les cafés à Paris et de tous les salles de spectacle, etc. Et le confinement a commencé 2 jours après. Et une semaine après, alors, vous voyez bien que la France se ferme. On avait l'impression que la France avait décidé ça. Donc, les Français avaient décidé ça. La France cloîtrée, ça veut dire qu'elle est cloîtrée par les gens autres qui l'ont décidé. Et en plus, le cloître a, disons, une connotation un peu religieuse. Bon. Voilà. Alors, ce qu'on peut en tirer, vous voyez le travail un peu qu'on peut faire sur les contextes, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Mais j'aimerais revenir maintenant à la diapo 13 sur l'infographie dans les journaux, parce qu'à la télévision, chaque soir, on avait droit à une information sur les statistiques de l'épidémie en France, soit par le directeur de la Santé, soit par le ministre de la Santé. Donc, vous voyez, des gens qui sont plutôt des institutionnels, qui font partie des institutions de l'État, sur un ton assez monocorde. Bon. Et puis, ils nous montraient des infographies qui paraissaient sur l'écran, mais on ne voyait pas grand-chose, on n'avait pas le temps d'ailleurs de les lire, etc. Donc, effectivement, je suis revenue aux infographies du journal Le Monde, dont les sources sont quoi, l'organisme Santé publique France, pour la France, et pour les pays étrangers en général, c'est Johns Hopkins Université. Les données sur les décès sont étendues à l'Europe, et donc on a des comparatifs européens à partir du moment où la maladie s'est déclarée et comment va le développement de la maladie, c'est-à-dire l'épidémie, les chiffres de l'épidémie. On a aussi... Ce chiffre qui est important, c'est le rapport pour 100 000 habitants, celui qui remet en cause l'histoire des records. Et là, je vous donne simplement l'information qu'on va regarder, mais on va le revoir on va le revoir plus tôt. Là, vous les avez donnés, c'est-à-dire que le Brésil et les États-Unis, c'était à ce moment-là, au 25 mai, c'était ce chiffre-là, mais qui était assez grand par rapport aux autres. D'accord ? Mais si on le reliait par 100 000 habitants, effectivement, les États-Unis, par 100 000 habitants, n'avaient que 30 cas, et le Brésil n'en avait que 11, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, faut toujours le rapporter, disons, aux 100 000 habitants, si l'on veut. Donc, on va voir ça dans la diapo suivante, la diapo 14. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez assez bien. C'est-à-dire que je vais donc la commenter. À gauche, vous avez une carte de France et vous avez les cas qui sont rapportés justement aux 100 000 habitants par département. Donc, vous avez les plus foncés. Alors, évidemment, Paris est toujours à part avec Paris est à part avec la région parisienne. C'est le plus foncé, c'est là où il y en a beaucoup. Et vous voyez, c'est l'Est de la France. Et puis, vous voyez des départements qui sont presque pas touchés à ce moment-là, hein, d'accord ? À ce moment-là de l'épidémie. Et évidemment, c'est en général les départements qui sont le moins peuplés, où il y a moins de monde aussi. Hein, donc, c'est pour ça que, aussi par département, on va le rapporter, le rapport pour 5 000 habitants. Le comparatif européen que vous apercevez à droite, c'est que là, on va regarder le temps 1 de l'épidémie, alors le jour où l'épidémie commence, et puis ensuite voir comment ça va évoluer. Donc là, on compare l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et on voit que... Là, par exemple, il y a un pays qui va un peu plus vite que les autres, c'est le Royaume-Uni, là. Et puis après, effectivement, là, on voit bien qu'on a en Espagne, l'Espagne qui est vraiment remontée, et la France aussi qui monte assez vite. Donc, ce comparatif permettait de voir l'état de l'épidémie dans les différents pays européens. On va passer à la suivante, à la diapo suivante. Alors là, si vous pouvez voir, c'est que vous avez en orangé le nombre de morts par pays, hein, d'accord, mais sans tenir compte de ce rapport, hein, d'accord. Donc évidemment, on voit ici que c'est les États-Unis qui ont le plus. Là, le Brésil est juste après, hein, d'accord, ici, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, ce qui est le plus, c'est les États-Unis. Le Brésil est juste après. Et vous voyez que la Belgique n'en a pas beaucoup, et évidemment la Suède non plus. À droite,
vous avez justement le rapport pour 100 000 habitants. À ce moment-là, la Belgique est en premier. D'accord, c'est elle qui a le plus haut rapport pour 100 000 habitants. D'accord, l'Espagne après, le Royaume-Uni, etc. Et les États-Unis sont là, hein, d'accord, à 30, et le Brésil à 11 seulement. C'est-à-dire qu'en fait, hein, d'accord, vous voyez bien Brésil, États-Unis qui sont là et Belgique ici. Bon, donc effectivement, ce qu'il faut rapporter. Alors c'est vrai que les pays du nord de l'Europe, comme la Belgique, la Suède, sont des petits pays, et effectivement, on ne peut pas les comparer à des grands pays sans faire ce rapport. Donc, l'importance de savoir lire les chiffres et de regarder comment ça se passe. Voilà. On passe à l'image suivante, la 16. D'accord. Voilà. Alors là, c'est pour vous montrer, justement, une page d'un journal populaire. Vous avez la traduction du titre qui a été faite en bas. D'accord. Mais c'est toujours pour vous montrer que là, on a une infographie à gauche qui est très, très minimum par rapport aux infographies du monde. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est très succinct, il n'y a pas vraiment d'infographie, il n'y a pas ces histoires de rapports, sans, etc. Hein, c'est vraiment très minimum. On a la barre des 10 000 morts, etc., un titre. Et ce qu'on a, c'est une énorme photo qui montre un cercueil. Et ce cercueil aurait pu être pris n'importe où. Hein, d'accord. On peut supposer que ça a été pris, c'est un mort du coronavirus, mais on a vu des images comme ça aussi à la télévision, pour le Brésil, pour les États-Unis, etc. Et on se demande toujours comment c'est fait. Je sais qu'au moment de la maladie de la vache folle, j'avais des étudiants qui travaillaient dans des agences de presse et qui me disaient que très souvent, les gens venaient chercher des vaches soi-disant folles, donc anglaises au départ, pour les mettre des photos dans leurs journaux. Et en fait, on mettait des vaches de l'agence de photos, peu importe si ce type de vache n'existait pas en Angleterre. Mais on montrait ça pour ça. Alors, on a un peu des doutes parfois. Et d'autre part, on se demande l'intérêt, si vous voulez, d'avoir une grosse photo comme ça, avec peu de texte et peu d'infographie dans le texte. Mais c'est quelque chose qui, là aussi, est effectivement anxiogène, hein, de voir ce type d'image. Et quand on voyait effectivement ces types d'images en Italie, on pouvait s'en rendre compte de l'effet anxiogène que ça pouvait avoir. Bon, donc, je passerai maintenant plutôt à la deuxième partie. D'accord. Donc, je reste d'abord sur ce titre. D'accord. Des concepts et notions pour penser avec, parce qu'il me semble que, au-delà des remarques sur les différentes temporalités qui règlent le fonctionnement des différentes sphères d'activité langagière, la temporalité des médias n'est évidemment pas celle des chercheurs. Hein. Forcément, les médias veulent avoir des renseignements tout de suite, des choses tout de suite, et ce n'est pas du tout celle des chercheurs qui disent « non, on ne peut pas trouver de vaccin tout de suite, on n'a pas de moyens de soigner pour l'instant, on n'a pas de tests, etc. » Un certain nombre de notions et de concepts donc s'imposent pour réfléchir sur les corpus qu'on a, et certaines notions s'imposent. Alors, il y a la notion de l'émotion, je pense qu'on a dû vous en parler, parce que Magno, je crois, vous en a parlé, si j'ai bien compris son article, qu'on use et on abuse dans le monde médiatique. Donc, on va passer à la diapo 18, les effets d'une crise sanitaire. Bon. Quels sont, en effet, à court, à moyen terme et à long terme, les effets sur les discours sociaux au-delà de l'actualité médiatique au fil des jours et des mois qui passent? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, l'émotion, par exemple, du côté des médias, ce qui est intéressant, c'est que l'émotion, ce n'est pas celle que forcément subit, mais dire la peur, l'angoisse va s'actualiser de manière différente entre l'émotion qu'on montre, d'accord, l'émotion qu'on dit. Alors, l'émotion qu'on montre, c'est les gens, par exemple, en train de pleurer en enterrant leur mort. Bon, d'accord. L'émotion qu'on dit, l'émotion qu'on prévoit. Vous avez des annonces, par exemple, à la télévision. Il y aura beaucoup d'émotions cet après-midi lors de l'enterrement des morts à Bergame. D'accord. Donc, on la prévoit. C'est aussi pour attirer les gens à revenir lors de ces reportages. Et puis, en fonction, l'émotion qu'on rapporte. Donc, en fonction des temporalités qui se manifestent, les émotions sont à étudier. Je ne développerai pas ça ici parce que j'ai développé ça un petit peu ailleurs et que c'est très travaillé actuellement. J'en avais un petit peu parlé en travaillant sur les journaux français qui ont traité de la mort de Fidel Castro
et on montrait ces différents types d'émotions. Bon. Donc, je passe à la diapo 19 sur les modes de gestion de la confiance, parce que j'en ai un petit peu parlé justement à propos des crises, c'est que il faut qu'effectivement qu'il y ait une certaine confiance dans les décisions du gouvernement, et c'est bien ce qui se passe, hein, y compris en France et dans d'autres pays. Alors il y a des pays effectivement qui fonctionnent différemment, mais on voit la difficulté que les gens ont à faire confiance aux décisions du gouvernement. Donc cette thématique de la confiance fait effectivement désormais partie des études sur les modes de gestion des changements sociaux. Hein, vous les trouvez chez un certain nombre de personnes. Et les crises sanitaires sont révélatrices de la confiance que les citoyens ont dans les institutions de santé. En France, je crois que les citoyens ont beaucoup de confiance dans la sécurité sociale, le médecin généraliste, le laboratoire d'analyse, les services d'urgence, l'hôpital, mais également dans les institutions de l'État responsables de la gestion de la crise, non, pas vraiment, et de ses conséquences sur le pays. C'est-à-dire que la gestion de la santé passe par la direction de la santé, les agences de sécurité sanitaire, agences nationales de santé, agences régionales de santé. En fait, on est assez peu au courant de leur fonctionnement, et là, on a découvert peut-être les failles de cette gestion de la santé. La gestion de la santé, ce n'est pas la recherche, hein, c'est vraiment la santé, c'est ce qui concerne tous les gens, puisqu'ils ont envie d'être en bonne santé, et effectivement, le gouvernement a envie que ses citoyens soient en bonne santé. Mais la recherche, ce n'est pas la santé, la recherche, par exemple, sur le coronavirus, les recherches sur l'épidémie, évidemment, c'est autre chose, puisque ça concerne vraiment la science et non pas seulement la santé. Bien. Donc, je passe à la diapo 20. D'accord. Cette mémoire discursive collective joue un rôle dans la confiance aussi des gens. C'est-à-dire que la mémoire collective a été entretenue au fil du temps par les médias. Et certains discours politiques rappellent à chaque nouvelle crise sanitaire les crises récentes et souvent la mauvaise gestion des crises par l'État. Par exemple, en France, il y a eu Tchernobyl, mais surtout le sang contaminé, mauvaise gestion de l'État, hein, d'accord, l'amiante, la vache folle. Alors, la vache folle, ça n'a pas eu trop de conséquences, mais les organismes génétiquement modifiés, la canicule de l'été 2003, où il y avait eu beaucoup de morts dans les maisons de retraite déjà, et puis dernièrement, des crises de médicaments comme le Mediator, le Tramadol, les pesticides. Donc, ces non-événements, hein, d'accord, sont devenus parfois des mots dièses sur les réseaux sociaux et rappellent que les intérêts économiques ont conduit parfois les pouvoirs publics et leurs experts à faire des choix contraires à la sécurité sanitaire. Et ça, ça rentre dans la mémoire collective, la mémoire discursive collective des Français récemment. D'accord. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, vous pourriez. Les Français ont découvert la mauvaise gestion des masques, par exemple, hein, pour la crise sanitaire, et ça a eu une influence sur le manque de confiance que les gens peuvent avoir dans les décisions, hein, de la santé. Donc, effectivement, ce principe de précaution. Notion qui ne veut pas dire prendre des précautions, participe de la gestion des risques. Alors, je passe à la diapo suivante, la 21. La diapo 20, pardon. 21. Oui. La mémoire collective est entretenue. Alors, la mémoire collective est entretenue, si vous voulez, par les crises sanitaires d'avant. Et vous avez même des exemples, je vais juste vous le donner. C'est-à-dire que les formes syntaxiques dans les médias rappellent les crises précédentes. Par exemple, j'avais donné comme exemple, après le sang contaminé et le plomb dans l'eau, voilà les vaches qui deviennent folles. Alors, ces non-événements rappellent des intérêts économiques, hein, d'accord, qui ont conduit ce pouvoir à faire des choix contraires à la sécurité, peut-être des choix évidemment économiques sans doute, hein, mais je veux dire que, et là, actuellement en France, on est entre la crise sanitaire et la crise économique. Il y a des choix importants à faire et que, effectivement, beaucoup de Français ne comprennent pas forcément.
Bien, alors je passe à la diapo 21 sur les conséquences citoyennes. Bon, c'est-à-dire que ces crises sanitaires ont contribué à des mouvements divers. Par exemple, la crise pour les organismes génétiquement modifiés ont contribué à des mouvements de désobéissance civile. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, mais qui est importante, de taureau, hein, d'accord ? Je vous montre là, à gauche, hein, d'accord ? Ce qui est un Américain du Nord qui a écrit ça il y a 150 ans, hein, qui a proposé ça, il était contre le gouvernement aux États-Unis, etc. Il a proposé cette notion qui est reprise, qui a été reprise au moment des organismes génétiquement modifiés, hein, d'accord ? Des mouvements qu'on appelle justement de désobéissance civile, hein, d'accord ? C'est des choses qui sont reprises en Europe aussi dans les luttes pour le climat, pour entretenir un climat sain, etc., et mettre en cause les détériorations du climat. D'accord ? C'est des choses aussi qui permettent de lutter aussi, des mouvements sociaux qui veulent lutter pour la visibilité des gens qui sont exclus, hein, d'accord ? Qui sont des exclus, qu'on ne voit pas, hein, d'accord, des pauvres qu'on ne voit pas, etc., et dont la mémoire revient à chaque nouvelle crise. Alors, ces mouvements, ça s'est inspiré par des travaux de John Dewey, par exemple. John Dewey, c'est un sociologue pragmatiste aux États-Unis. Louis Guéret, en France, s'inspire de ses idées. Et c'est une très bonne traduction, une très bonne introduction à son travail. C'est pour lui, si vous voulez, c'est l'idée qu'il faut que le public, les publics sont une instance intermédiaire entre la société et le gouvernement. Et donc, c'est ce qu'il a théorisé. Et que donc, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce public parce que dans une démocratie, c'est l'intermédiaire qui doit travailler en même temps que le gouvernement. Et donc, il faut faire des enquêtes auprès du public. Axel Honneth, je le signale parce que c'est le successeur d'Habermas, disons, à Francfort, et il interprète les conflits, si vous voulez, de société, enfin les conflits, les mouvements citoyens et les conflits, donc, de société, comme une demande de reconnaissance, d'accord ? Et une demande de reconnaissance et une demande aussi de visibilité. Et c'est aussi ce que fait Olivier Voirol, qui est un jeune philosophe qui travaille en Suisse, à Lausanne, et qui a traduit Axel Honneth en français, et qui travaille beaucoup sur cette question de visibilité, et la question des invisibles qu'on ne voit pas, si vous voulez. Donc, et c'est vrai que la crise à Paris est différente selon les quartiers, et qu'il y a des quartiers populaires qui, effectivement, souffrent beaucoup plus de la crise, et qui, en plus, n'ont pas des conditions pour se confiner pareil aux autres, et c'est les quartiers où il y a effectivement le plus de cas qui se développent actuellement. Bon. Donc, c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe à travers ces visions de philosophie. Alors, c'est ce qui me permet, si vous voulez, de justement travailler sur la comparaison dans le courrier international des articles sur les différents pays, hein, d'accord ? Et j'essaie de voir ça à travers le prisme de ces réflexions-là, d'accord ? Pour pouvoir travailler. Donc là, je suis en train de le faire, donc je vous le signale simplement. Mais effectivement, il se trouve que dans Courrier International et dans les journaux d'une manière générale, aussi bien dans le monde, on distingue les pays où on considère que la crise est relativement bien gérée. Donc, il y a eu la Grèce, la Suède, la Nouvelle-Zélande, par exemple. On remarquera que ce sont de petits pays, d'une manière générale. Donc, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais bon, ça a été bien géré. Alors que la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Brésil, actuellement la France sont considérés comme mal gérés. Hein, d'accord ? Donc, c'est intéressant de voir pourquoi. Et donc, je me suis intéressée à l'article dans Courrier International qui portait sur la Grèce, dont on va voir sur la diapo suivante. Voilà. Alors, la crise qui vient sera pire que le coronavirus. Alors, effectivement, le problème des pays du sud de l'Europe, hein, Grèce, Italie, Espagne et quand même une partie de la France aussi, mais enfin, et le Brésil aussi, j'imagine, c'est que c'est des pays qui vivent du tourisme et que les activités touristiques sont complètement
arrêtée. On voit des files de taxis libres à Paris, par exemple, parce qu'il n'y a plus de touristes. C'est la crise économique qui va arriver, va aussi mettre en cause les gens les plus démunis. Donc, il y a une réflexion là-dessus qui se fait. Donc, alors, la Grèce, qui était intéressant, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais le dire, c'est que, au fond, Athènes a réussi à gagner sa bataille contre la pandémie, d'accord, grâce à un infectiologue méconnu. Alors, c'est un infectiologue qui a conseillé le Premier ministre et qui lui a dit tout de suite de mettre les gens. Quand il a vu que ça se développait en Italie, il a demandé au gouvernement, au Premier ministre, de tout de suite confiner en Grèce, puisque c'était assez proche de l'Italie, il y a pas mal de relations avec l'Italie, tout de suite confiner. Et c'est vrai que la Grèce, sur le plan de l'infectiologie, pour l'instant, s'en était bien tirée. D'accord ? Mais évidemment, privé de touristes quand même en partie, hein, même si j'y suis allée moi en juillet quand même, sans problème, mais craint la crise économique comme d'autres pays. Et alors, pourquoi c'est géré ? Je me suis demandé donc comment cet infectiologue il passait tous les soirs à la télé grecque à 18h, et comment il s'est présenté. Et on passe à la diapo suivante. Voilà. C'est qu'au fond, il avait un éthos particulier, hein, l'éthos montré du conseiller, alors que les gens qui passent à la télé, les responsables de la santé, des organismes de santé en France, sont souvent disent les morts, etc., sur un ton assez monocorde, etc. Donc là, il est vu comme quelqu'un d'empathique. Alors vous ne le voyez peut-être pas si on arrive en anglais, parce que je ne vous demande pas de lire en grec. Il faudrait monter un peu plus haut. Oui, alors, il est présenté comme, donc c'était un infectiologue, hein, un chercheur, mais peu connu. Donc, on le présente comme Ernest, qui s'est modeste, qui s'est écouté, brimming with humanity, qui parle avec humanité. Il parlait d'une voix douce, essayait d'être attentif, d'être chaleureux quand même aussi, tout ça. Et finalement, il a convaincu les gens de suivre des consignes très strictes. Moi, je suis allée l'été dernier, tout le monde était dans une petite île où il n'y avait aucun cas de coronavirus, il n'y avait aucun cas dans ces îles-là, et tous les gens respectaient effectivement très bien toutes les consignes. Donc, voilà. Et j'étais étonnée par rapport à Paris. Voilà. Donc, alors, effectivement, même les photos qu'on a pu voir de lui, c'est l'image suivante, la photo de ce voilà, hein, vous voyez qu'ici il est montré, hein, vous voyez la position. Alors il y a 3 ou 4 photos dans ce magazine qui est le magazine d'ailleurs de la compagnie grecque Aegean Airlines, et que j'ai pris dans l'avion, et on le montre effectivement avec ce temps empathique, les mains aussi croisées, où il y a la position, et toutes les photos le montrent de cette manière, et effectivement, apparemment, il a convaincu, disons, pour l'instant en tout cas, ça a été réglé du point de vue sanitaire, du point de vue économique, sans doute que non. Donc, à partir de là, j'ai été aussi regarder un petit peu les travaux qui ont été faits sur les Français, aussi par rapport à la science, et qu'on pourrait faire dans d'autres pays évidemment, comment les Français ont un rapport, quel est leur rapport à la science. Voilà, donc, alors, les Français, si vous voulez, ils regardaient effectivement beaucoup la télévision, les chaînes généralistes, etc. Les grands médias, notamment les chaînes de télévision, donnaient tous les soirs, il y avait de gros débats, par exemple, sur BFM TV, entre spécialistes, hein, spécialistes médicaux, donc chercheurs, hein, plutôt des chercheurs, donc des chercheurs. Alors, vous savez qu'en France, en plus, il faut connaître un peu le système, c'est qu'un certain nombre d'hôpitaux, tous les hôpitaux sont en fait ce qu'on appelle des CHU, centres hospitalo-universitaires, c'est-à-dire que ça concentre là l'enseignement de la médecine, mais aussi les labos de recherche et un hôpital. Alors que il y a aussi des hôpitaux qui sont des hôpitaux régionaux qui ne dépendent pas de, qui n'ont rien à voir avec les universités, rien à voir avec les centres de recherche, hein, d'accord. Bon, donc ce qui se passe, c'est que ces débats à la télé étaient des débats
où les chercheurs disaient, ben, de toute façon, on ne sait pas, et puis il faut attendre, et puis voilà, oui, on pense que, mais etc. Et les journalistes n'aiment pas ça. Enfin, les journalistes voulaient leur faire dire des choses, ou voulaient qu'ils se mettent entre eux contre l'autre. C'est-à-dire, par exemple, on passait un extrait d'un autre scientifique qui avait dit ça, et on leur mettait sous le nez en leur disant, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour espérer avoir, ben non, je ne suis pas d'accord, etc. etc. Or, les scientifiques savent que la recherche, qu'une recherche qui n'est pas publiée n'existe pas, hein, tout le monde le sait quand même dans la recherche, et que ça prend du temps pour être accepté, une recherche, la publication, et que tant qu'il n'y a pas ça, on ne va pas le dire. Et d'autre part, quand on est à la télévision, ils savaient bien que leurs confrères aussi les écoutaient, hein, d'accord, les autres scientifiques les écoutaient. Donc, ils n'allaient pas, si vous voulez, à ce moment-là. On sait bien que quand on parle à la télé, on ne parle effectivement pas aux journalistes qui sont en train de vous poser des questions, mais on parle aux gens qui écoutent. Et parmi les gens qui écoutent, il y a les représentants, ce que j'appelle le surdestinataire qui intervient, c'est-à-dire le représentant typique de la recherche. Et on ne va pas, à ce moment-là, discuter. Mais les journalistes auraient bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de polémiques, mais ça ne passait pas très bien. Bon, alors, voir ces débats où les gens disaient « mais on ne sait pas, et puis on ne veut pas, et puis ils n'étaient peut-être pas d'accord tous entre eux, puis on faisait en sorte qu'on essayait de leur montrer qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux », n'a pas donné une bonne image non plus, hein, d'accord, de la recherche. Hein, d'accord. Donc, en fait, on voyait bien que là, on essayait de faire des conflits, or, si vous voulez, si je regarde la vie de la recherche scientifique, où il y a tout un numéro là-dessus, qui c'est la vie des chercheurs scientifiques, hein, des syndiqués de gauche, hein, quand même plutôt, il faut dire. Voilà, le conflit, disent-ils là dans ce numéro, se concentre entre des revendications de biens communs pour combattre une pandémie et le capitalisme financiarisé des pharma et des biotech qui entendent capter un immense marché potentiel. Parce qu'effectivement, les laboratoires, déjà, on voit combien ça coûte en France à la Sécurité sociale, qui rembourse tous les tests. Ça coûte par semaine un argent phénoménal, d'accord ? Parce que les laboratoires, évidemment, en profitent, hein, d'accord ? Et puis, les vaccins, les laboratoires, les tests, etc., c'est un enjeu économique énorme pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, donc effectivement, bon, les Français et la science, alors justement, quelle confiance ont les Français, hein, d'accord, dans la science? Alors j'étais voir aussi ce qu'on trouvait d'ailleurs dans cette enquête, on le trouve toujours dans ce numéro, s'il y a eu une enquête, hein, d'accord, sur les Français et la confiance, d'accord. Donc c'est la diapo suivante, 26, voilà. Alors, les Français ont confiance dans les hôpitaux, c'est-à-dire ce qui concerne leur santé, ils ont relativement confiance, d'ailleurs ils vont spontanément à l'hôpital, plus qu'il ne faudrait, même quand ils n'en ont pas besoin. Disons donc, voilà, la confiance est assez bonne. Placée dans les sources d'information de la sécurité sanitaire, ça va. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a la situation sanitaire, mais il y a aussi les experts scientifiques qui conseillent le gouvernement. Et c'est autre chose, hein, d'accord ? Et là, ils leur font beaucoup moins confiance. Comme le dit Angenot dans la rhétorique de la confiance et de l'autorité, les savants doutent, vérifient, modifient leurs théories, amendent leurs hypothèses et débattent. D'accord ? Donc ça, c'est les chercheurs, les vrais chercheurs. Tandis que les experts, même si c'est dans le domaine médical, ils sont tenus de parler aux décideurs, donc les gouvernements les consultent. Mais eux, ils sont tenus d'être formels et leur tâche est de procurer des certitudes aux décideurs. Ils veulent des certitudes. Or, effectivement, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu un hiatus dans ça. Donc, il y a plein de recherches un petit peu qui ont été faites. Alors, je vais juste vous montrer un exemple de travaux donc, sur la confiance, hein, qui me semble une notion intéressante en cas de pandémie. Il faut bien que les gens aient confiance en ce qu'on leur demande de faire et pour le faire. Et c'est ce qui ne marche pas. Donc, on passe à la diapo suivante, la 27. Vous avez un graphique. Alors, on va le trouver. C'est juste pour vous montrer que les Français ont-ils encore confiance dans la science. Donc, c'était un travail.
Et en fait, il y a une comparaison entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Donc, on passe à l'image suivante, on les verra mieux. À la diapo suivante, la 28, on voit mieux, voilà. D'accord. Alors, vous voyez qu'à droite, vous avez le Royaume-Uni, à gauche, vous avez l'Allemagne, et au milieu, vous avez la France. Donc, il y a eu tout un questionnaire qui a été fait, après, bon, etc. Bon, par le CIPOF, vous avez les références ici. Donc, pense plus de bien que de mal, d'accord. Vous voyez que l'Angleterre a quand même un taux assez haut, 59%, l'Allemagne 52%, mais les Français, c'est au-dessous des 50%, c'est 41%. Autant de bien que de mal, alors vous voyez là aussi les chiffres, alors là c'est les Français, ils sont, autant de bien que de mal, voilà, c'est 46% les Français, et plus de mal que de bien, bon là c'est à peu près égal. Mais vous voyez la différence quand même, plus de bien que de mal, c'est quand même assez différent, et autant de bien que de mal, vous voyez que c'est les Français là en vert hein, qui sont nettement devant. Voilà. Hein, bon, alors donc il y a quand même un problème de confiance, et voilà. Alors ce qu'on peut se poser comme question, c'est au fond qu'est-ce qui se passe actuellement dans certaines démocraties, hein, d'accord, actuelles, y compris des démocraties donc européennes hein, ou dans certains pays ou d'autres aussi, dans les démocraties, qu'est-ce qui se passe? C'est une question politique, mais qui est évidemment à se poser, parce que ça passe quand même aussi par les discours, et on ne peut pas ne pas s'intéresser à ça quand on travaille sur le discours. Donc, on passe à la diapo suivante, où Marc Angenot observe qu'on assiste à des mouvements de suspicion, hein, d'accord, par rapport à l'État, par rapport à l'autorité de l'État, voire des raisonnements paranoïdes hein, qui tendent à remettre en cause l'autorité de l'État. Alors, il est clair que les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses, hein, et puis les fake news, et ce qu'on appelle des infox en français. Mais c'est ce qu'on constate effectivement dans certains pays européens, et c'est le refus, par exemple, de porter un masque qui est brandi comme un acte politique, hein, qu'on n'aime pas le masque, etc., comme un acte politique, un acte de revendication, si bien qu'il y a eu récemment une manifestation à Berlin, en Allemagne, pour refuser le port du masque. Ceci dit, elle a été effectivement récupérée par des mouvements d'extrême droite. D'accord. Bon, alors c'est vrai que si la vie en société doit reposer quand même sur la confiance, faire confiance aux instants de l'État en temps de pandémie, ça doit être quand même important, hein, évidemment. Hein. Donc, c'est remis en cause effectivement en question par des partis politiques. Ce qu'on voit en France, mais ça on pourra le développer peut-être dans les questions, c'est qu'on a l'impression qu'il y a les politiques qui participent au gouvernement, évidemment ils sont pris dans le gouvernement, mais les politiques qui n'y participent pas actuellement, ils ont les yeux fixés, je pense que c'est dans beaucoup de démocraties, parce que c'est la même chose sans doute aux États-Unis, c'est la même chose dans d'autres pays, ils ont les yeux fixés sur l'élection présidentielle suivante. Alors je pourrais expliquer ça par rapport à ce qui s'est passé à l'élection précédente, mais... et par des mouvements divers de citoyens. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même ces dernières années, si on regarde les choses en face, il y a eu beaucoup de mouvements citoyens, d'accord, qui ont pris la place et qui se sont réveillés, disons, et qui ont des moyens d'action qui sont différents d'avant. Hein. Ce n'est plus les syndicats, c'est en dehors des syndicats, et ça existe. Alors, on a eu les Gilets jaunes, et... on peut voir la diapo suivante, la numéro 30, la diapo suivante, c'est les gilets orange, hein, d'accord, qui déferlent dans la rue, donc en Italie, d'accord, et ils ont manifesté le 30 mai, le 2 juin, vêtus de gilets orange. Alors, c'est un petit peu comme en France, certains de ces mouvements, c'est des gens qui sont contre les élites, hein, d'accord, et qui exigent des changements du gouvernement, mais c'est vrai qu'ils sont aussi parfois récupérés par des mouvements d'extrême droite, ou peut-être poussés par des mouvements d'extrême droite, mais c'est vrai qu'on voit ça. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, si vous voulez, ces dernières années,
un certain nombre de mouvements. Alors, ça a commencé en France, disons, dans les années 90, hein, d'accord? Des mouvements qui étaient d'une part, il y a une thèse là-dessus, mais je l'ai citée dans un article au Brésil, lors du colloque de Belo Horizonte, qui avait travaillé sur la cause des sangs, c'est-à-dire des gens qui ont pris position pour la cause des sangs. Et je pense que vous avez eu aussi les mouvements des indignés en Espagne, par exemple. Vous connaissez peut-être le petit bouquin, je ne sais pas si vous le verrez, parce que ça, c'est la traduction. Je l'ai acheté au Brésil, d'ailleurs, hein, cette version-là, c'est en portugais. C'est Stéphane Essel qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Indignez-vous », d'accord, « Indignez-vous », et qui a écrit là-dessus, effectivement, poussant les gens à se prendre en charge quand on n'est pas d'accord pour... effectivement, les actuelles décisions de la mondialisation, des grandes entreprises, des mouvements, etc. Ce qui effectivement débouche sur des mouvements divers, hein, d'accord. Alors, vous avez les gilets jaunes, vous avez les gilets, etc. Et au fond, ce qu'on peut constater, on va revenir à la page suivante, c'est que ces mouvements, quand même, qui depuis les années 90, finissent par faire que les gens n'ont plus tellement confiance, peut-être, en certaines décisions qui sont de l'État en cas de crise ou en cas de crise sociale, notamment. Alors, c'est vrai que là, on sent que il y a des mouvements comme ça qui se créent dans des pays et ce serait intéressant aussi de les étudier et d'étudier aussi leurs différences. Voilà, donc, là, j'arrive à mes conclusions, hein, pour l'instant. Alors, elles sont, j'ai juste à peine commencé à travailler sur cette question, donc la pandémie. Et donc, ça pose un certain nombre de questions que je vais évoquer dans les deux dernières diapo, donc la diapo 31. Alors, il me semble que c'est quand même assez intéressant. Bon, on a pas mal travaillé sur la comparaison. J'étais venue au Brésil à un colloque sur les problèmes de comparaison en novembre 2017. Ça va paraître bientôt d'ailleurs. Ce serait intéressant de comparer les pays avec des langues, des cultures, des systèmes politiques différents, sans oublier justement de tenir compte des publics. D'accord? Et peut-être s'apercevoir que les pays vont vivre une temporalité différente au fil de la pandémie. On n'a pas les mêmes courbes de pandémie. On a on ne sait pas comment ça va se passer. La mémoire collective des différentes crises sanitaires, on l'a pas non plus. C'est pas la même. Donc, c'est là peut-être qu'interviennent de grands corpus. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent sur des grands corpus. Dans mon équipe, on travaille aussi sur des grands corpus qui nécessitent, outre une perspective transdisciplinaire, hein, bien sûr, une analyse de discours outillé. Hein, d'accord, là, je vous renvoie à un bouquin qui montre tous les logiciels qu'on peut utiliser et il est fait assez simplement pour qu'on comprenne si c'est nécessaire d'utiliser un logiciel ou pas. Hein, d'accord, voilà. Une reconstitution historique, philosophique de politique des données. Alors ça, je pense à une thèse qui a été faite par une étudiante de communication à Paris 3. Avec Jocelyne Arcambourg, et j'ai beaucoup suivi sa thèse aussi un petit peu, qui a comparé justement une campagne contre les antibiotiques faite aux États-Unis et en France. Et on avait deux manières de faire complètement différentes. D'accord? En France, c'était l'État qui proposait des films à la télé, de la communication, si vous voulez, mais qui venait de l'État, alors qu'aux États-Unis, on s'est reposé sur les ONG, sur les associations, etc., pour faire passer le message. Ce qui est intéressant à étudier, de voir, c'est que justement, pour le même but, deux pays vont s'y prendre de manière très différente pour faire passer des messages sanitaires pour ne pas prendre trop d'antibiotiques. Voilà, donc c'est intéressant de voir, elle a écrit un article dernièrement dans une revue au Canada que je vous ai signalé sur justement la manière dont ça avait été fait aux États-Unis. Et puis je conclurai, si vous voulez, sur
sur justement cette rhétorique de la confiance, hein, d'accord, dont parle Angelot dans son bouquin. Mais cela suffit-il pour faire face à la crise de confiance envers les gouvernements? C'est-à-dire que là, on est dans une crise de confiance avec les gouvernements, dans beaucoup de choses, et non seulement vis-à-vis de l'État, mais via aussi des institutions internationales. C'est-à-dire que l'OMS, par exemple, qui a mis du temps à découvrir la pandémie, pour ne pas faire de peine à son ami, le président de la Chine, avec qui ils sont en contact, effectivement, a discrédité quand même fortement, peut-être, l'OMS. Hein, d'accord ? Elle a mis du temps et elle n'a pas donné beaucoup de cadre à ça. Donc, ces institutions internationales comme l'OMS, le FMI dans le cas d'une crise financière, la Banque mondiale dans le cadre de la pauvreté, parce qu'on a un groupe qui travaille dans l'équipe sur la pauvreté dans plusieurs pays, et justement, la notion même de pauvreté, elle est différente d'un pays à l'autre. Et comment on lutte contre la pauvreté, c'est encore autre chose. Donc, ça, c'est la comparaison qui est intéressante. Et pourtant, la confiance est certainement un élément essentiel de la vie en société. Alors, est-ce que c'est la rhétorique qui permet de fonder la confiance en période de crise? Je ferai allusion là à ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui a donné un beau film anglais qui passe de temps en temps, qui est Le Discours du Roi. C'est quand Churchill a voulu persuader les Anglais qu'il fallait s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale pour mettre fin, effectivement, à l'hégémonie, disons, du nazisme. Et donc là, il fallait persuader le roi de faire un discours à la nation, de prendre la parole. Or, le roi, à l'époque, c'était le père d'Élisabeth, la reine actuelle, avait été roi parce que son frère avait été obligé de démissionner, et il s'était retrouvé là, et avait du mal à prendre la parole en public parce qu'il était bègue. Donc, on lui a fait prendre des cours. Ils avaient eu des orthophonistes, etc., pour qu'il prononce ce discours à la nation, pour que les Anglais fassent confiance à cette décision et l'acceptent. D'accord ? Et ça s'est très bien passé. Le film est très, très intéressant. Donc, la confiance joue un rôle, effectivement, dans l'attente collective, c'est une des formes de la pensée collective, selon Marcel Mauss. Or, si les citoyens perdent confiance en leurs gouvernants, au point de préférer les théories du complot, voire les infox, l'État semble désemparé. Même les États les plus démocratiques sont désemparés face à la gestion de la crise. D'où l'intérêt peut-être pour apporter une analyse de discours au fil de la crise et des comparaisons entre les pays. Voilà. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora, por sua excelente conferência, extremamente esclarecedora, né? E agradecemos realmente muito, muito mesmo de coração, né? Por essas palavras que a senhora trouxe para a gente, tá? Agora, então, a gente vai passar para o segundo momento da conferência, que é a participação, né, das pessoas que estavam assistindo por meio das perguntas, tá? Tá projetado na tela, professora, uma pergunta, a primeira pergunta, que é se a utilização excessiva, né, de números gráficos e infográficos pela mídia, no caso aí da Covid, isso seria uma forma de controle ou uma espécie de tentativa de diminuição do medo das pessoas, né? Dado que ainda, até o presente momento, não existe remédio para tratamento da Covid e mesmo uma vacina, né, que previna a Covid, tá? Que medida esses números, esses gráficos, eles seriam uma tentativa de diminuir o medo
das pessoas em relação a uma situação desconhecida, né? Uma situação de saúde desconhecida. Tudo bem, professora? Oui. Alors, je sais pas si l'utilisation des chiffres, par exemple, le point que faisait tous les jours, après ils l'ont plus fait tous les jours, le directeur de la santé et puis le premier ministre, le ministre de la santé, c'est vrai que trop de chiffres et des chiffres qui sont pas forcément faciles à comprendre, hein, d'accord, parce que c'est ça, c'est pas évident, hein, d'accord. C'est vrai que le chiffre brut peut affoler, hein, le nombre de cas, le nombre, etc. Mais je crois qu'il faut sans doute pas que des chiffres, quoi. Il faut, enfin, je sais pas, mais je pense que ça, comparé, je pense, à ce qu'a fait l'infectiologue grec qui passait aussi tous les soirs à la télé grecque, c'était pas du tout le même genre de discours. D'accord. Alors, est-ce que les gens veulent des chiffres? Mais les chiffres, d'ailleurs, je pense qu'il vaudrait mieux les avoir par écrit qu'oralement, dit comme ça, parce que les gens ne voyaient pas les infographies, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce serait intéressant d'ailleurs à creuser. Hein, c'est vraiment des questions à creuser, parce que là, on est quand même justement en plein milieu de la pandémie. Donc, ce serait intéressant à voir ça. Et puis, ce serait intéressant d'aller voir. Alors, ce que je n'ai pas fait là, ce que je voulais introduire comme notion, mais je ne l'ai pas introduite, parce que je l'ai un peu oublié, mais quand on parle de communauté discursive, etc., l'équipe qui avait travaillé à La Réunion, donc Jackie Simonin, qui dirigeait cette équipe, lui parlait aussi de la nécessité d'aller considérer les communautés d'interprétation. Et je trouve que cette notion est intéressante, c'est-à-dire que même là-bas, ils ont été intéressés les gens sur les marchés, sur les trucs pour savoir pourquoi, parce qu'au début on a eu beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup de mal à faire comprendre que le moustique c'était les petites bêtes qu'ils connaissaient, c'est pas comme le virus, on le voit, ils le connaissent, ils ont eu depuis longtemps, il y en a de toute façon à la Réunion, et ils pouvaient pas penser que ce moustique allait leur faire une maladie aussi grave, plein de morts, etc. Le moustique ça piquait, mais et donc ils ne comprenaient pas, et donc effectivement il y a, je pense, quelque chose à faire, c'est d'aller voir comment les gens comprennent la pandémie. Est-ce que d'aller aussi voir ces communautés, comment interprètent ? Mais tout le monde interprète, c'est-à-dire que quand j'ai essayé de regarder ce qui se passait en France pendant le confinement, par exemple, tout le monde s'est mis à écrire, c'est-à-dire les écrivains aussi sont mis à écrire sur le confinement, les philosophes, tout le monde s'est mis à écrire sur le confinement, à tel point qu'on était noyés, effectivement, d'articles, hein, d'accord, partout, hein, même de bouquins déjà, hein, les bouquins sont déjà sortis, des gens qui ont déjà sorti des bouquins là-dessus. Nous, on a été quelques-uns, d'ailleurs, quand quelqu'un a proposé tout de suite de travailler là-dessus, on a répondu sèchement par mail, d'abord Marianne Pavot a commencé, d'ailleurs, je crois, deux ou trois autres, et moi aussi, en disant, écoutez, on ne va pas écrire tout de suite. D'accord, il faut quand même nous laisser le temps de réfléchir avant d'écrire là-dessus et de faire de la recherche avant d'écrire là-dessus. On ne veut pas se précipiter pour écrire. D'accord, donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas encore rien écrit, mais je cherche, je travaille dessus, mais je n'ai rien écrit. Et pour ça. Alors, c'est vrai que je pense qu'il faut effectivement aller voir aussi les communautés d'interprétation, c'est-à-dire peut-être des enquêtes auprès des gens. Ils faisaient même des micro-trottoirs, hein, d'aller dans les... sur les marchés, etc., en demandant aux gens, parce que, en fait, ce qui a mieux marché à La Réunion, c'est tout ce qui donnait comme consigne à la télé, etc., ça marchait pas très bien, et c'est quand un humoriste qui faisait des sketchs d'humour à la radio, parce que la radio était plus développée à l'époque, évidemment, qu'Internet et que la télé, et faisait des sketchs à la radio, et c'est ça qui a mieux marché. D'accord, c'est par des sketchs, d'accord, hein, de l'humoriste local, ça marchait beaucoup mieux que toutes les campagnes que la direction de la santé avait payées auprès de boîtes de communication pour faire à la télé, qui avaient très mal marché, parce que d'abord, bon, ils n'avaient pas compris, ils ne comprenaient pas la population, ils ne connaissaient pas la population, donc ces boîtes ont fait de la communication sans se rendre compte de qui étaient les gens de La Réunion, ce n'étaient pas les gens qui étaient en France, donc ce n'est pas pareil, c'est une culture différente quand même. Donc, voilà. Donc, ça, ce serait intéressant, c'est effectivement d'aller voir.
Et cette notion de comité d'interprétation est importante parce que tout le monde fait aussi une communauté d'interprétation. Les gens qui travaillent dans les médias, ils ont une manière aussi d'interpréter. D'accord ? Ils sont aussi une communauté d'interprétation. On est tous des communautés d'interprétation. Et cette notion qu'avait développée Jacques Simenin, qui n'est pas assez travaillée, je pense que ce serait bien de la retravailler. Je ne l'ai pas dit là, parce que bon, on ne peut pas tout dire, hein, mais c'est quand même une notion importante, à mon avis. Et qu'il faudrait se poser, et c'est là où on pourrait savoir. Hein. Ok, ok. Merci, oui, alors, merci. C'est la deuxième question, là. Oui. La deuxième question. Oui. Alors, effectivement, moi, je crois que ça peut effacer des problèmes. Et en fait, on parle assez peu aussi, même à Paris, des gens qui sont dans des conditions actuellement de pauvreté. Hein. Il y a des quartiers de Paris, bon, mais pas, surtout dans la banlieue, en Seine-Saint-Denis, etc., où les gens se sont retrouvés, par exemple, sans revenus. Et ils font des queues pendant des heures pour avoir à manger, etc. Bon, je veux dire que bien sûr, alors on en parle un peu, mais on n'en parle pas beaucoup. On a travaillé sur la pauvreté et je devais voir la pauvreté dans les médias. Il y a Macron qui a fait un plan de pauvreté qui était pas mal, d'ailleurs, à une époque, et ça a été balayé par les gilets jaunes, les manifestations des gilets jaunes, on en a pu parler, hein, d'accord, qui n'étaient pas des gens quand même complètement pauvres, si vous voulez. Justement, c'est ça aussi où on peut voir. Hein, les pauvres, on ne les voit pas. Ils ne manifestent pas beaucoup, ils ne les voient pas. Donc ça, c'est un gros problème. Même dans des pays comme la France, il y a des pauvres. Et il y a des gens là qui souffrent actuellement beaucoup des conditions dans lesquelles ils vivent. Alors, ils ont souffert de deux manières, mais je pense que c'est partout et dans le Brésil aussi. Ils souffrent de deux manières parce qu'ils sont dans des conditions de confinement, si on vit dans un petit deux pièces à 5 ou 6, évidemment, on ne peut pas se confiner de la même manière que des gens qui ont une grande maison et des gens dans mon quartier, beaucoup sont partis dans une résidence secondaire qu'ils avaient, hein, d'accord, et donc on ne les a pas vus. C'était très calme, hein, le confinement, on a passé un très bon moment parce qu'on avait beaucoup de calme, ils étaient partis. Donc ça, c'est des questions qu'on n'a pas assez posées. Alors on les a posé de temps en temps dans les médias, mais relativement peu quand même par rapport aux autres. Et la crise économique qui existe quand même et qui va déferler maintenant, hein, d'accord ? Parce qu'effectivement, le gouvernement a pris des décisions qui ont permis quand même de tenir un certain nombre de gens, mais c'est maintenant que ça va éclater. Mais les gens ne sont peut-être pas en état de réagir, c'est-à-dire que c'est un peu le problème. Je pense que c'est intéressant. Qual a relação entre o conceito de acontecimento expressivo, né? Pensado pelo Pêcher, pelo Foucault, pelo Pêcher, e os conceitos que a senhora elabora, né? Que é o de instante discursivo e de momento discursivo, né? A senhora falar um pouquinho, então, dessa relação entre essas categorias aí, né? De acontecimento, Pêcher, Foucault, e o de instante e de momento discursivo elaborados pela senhora e que a senhora mobilizou aí na sua conferência. Obrigado. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas employé du tout j'emploie pas trainement le sens d'événement dans le sens de Pêcher et Foucault, que j'ai relu d'ailleurs pendant le confinement parce que j'avais du temps, et Foucault. Non, moi, celui d'instant discursif, c'était très... Quand j'ai travaillé sur la presse et l'ouvrage que j'ai écrit, là, qui vient de traduire en espagnol en Argentine, c'était pour distinguer, effectivement, pour moi, c'était le moment discursif. Hein, d'accord, je ne parlais pas, d'ailleurs, hein, puisque je parlais de moment discursif dans les médias. D'accord, et j'ai distingué entre le moment discursif, qui était un événement global, d'accord, et l'instant discursif, qui était un moment de cet événement, à l'intérieur de... À l'intérieur, par exemple, de la pandémie qui dure, bon, j'ai pris des instants discursifs qu'on peut considérer comme un moment discursif. C'est pour ça que j'ai évité événement, hein, d'accord ? Parce qu'événement est tellement employé aussi, quand on voit en histoire, en toutes les matières, qu'il y a vraiment beaucoup de confusion. Donc, moi, c'était tout simplement dire un moment discursif dans les médias. Et puis, il y a des instants discursifs. J'en avais déjà parlé dans le bouquin
que j'avais écrit sur les discours de la presse quotidienne. Simplement, là, je l'ai un peu plus ressenti là, hein, d'accord, puisqu'on a des séries de petits moments, hein, d'accord, qui sont très précis, le moment où on se confine, le moment où on déconfine, bon, voilà. Et puis, entre-temps, on a effectivement un événement qui a rebondissement, qui va durer longtemps peut-être, qui dure déjà longtemps. Et donc, on ne peut pas tout englober en même temps, quoi, d'accord. Donc, on peut peut-être travailler aussi parfois sur des petits moments, hein, d'accord, sur lesquels on ne va pas utiliser, par exemple, une grosse artillerie d'ordinateur, etc. On va rechercher d'autres choses. Moi, ce qui m'intéressait dans l'instant, c'est que c'est quand j'ai travaillé sur l'actualité, puisque c'est sur l'actualité que je voulais travailler, c'est le moment, si vous voulez, où on bascule, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qu'on pourrait faire, hein, d'accord, on a peut-être décidé le confinement, on ne sait pas, etc. Et puis tout d'un coup, voilà, hein, d'accord, le soir où on a entendu que tout d'un coup, moi j'étais dehors d'ailleurs, il faisait très beau, donc j'étais dehors, j'étais avec des amis au café, on était là, et puis le café nous dit ah, « ben, on va être obligé de fermer ». Bon voilà, et donc là, si vous voulez, tout d'un coup ça bascule dans la réalité. D'accord. Bon, voilà. Hein, on s'est dit, mince, et puis on n'aura plus de café, il n'y aura plus de restaurant, plus de café dans Paris d'ouvert. Bon, les gens se regardaient d'un air un peu atterré. D'accord. Et au point que le lendemain, dans mon quartier en tout cas, près de chez moi, les gens des restaurants, etc., proposaient de nous donner leurs victuailles puisqu'ils ne pouvaient pas les garder. D'accord. Ils les distribuaient. D'accord. Oui. Alors, je leur ai dit qu'ils pourraient les distribuer peut-être aux gens qui en avaient besoin, par exemple. Mais bon, voilà, on aurait pu là faire des collectes et les donner aux gens qui en avaient besoin. Non, personne n'y avait pensé qu'eux, ils avaient leur victuaille pour toute la semaine. Quoi. Donc, voilà. Donc, mais c'est ça, c'est de comprendre un petit peu ces petits faits, si vous voulez, qui font partie de l'événement grand et qui est tellement. Qu'on peut prendre par différents axes. Hein. Je pense qu'il y a différentes possibilités de le regarder. Oui. C'est pour ça que chacun peut avoir des regards très différents sur cet événement. Et c'est ça qui peut être intéressant, justement, à mettre en commun. La quatrième question est qual o papel, né, dos pequenos corpos, dos pequenos corpora, né, para compreender aí o evento, né, fatos da atualidade como a pandemia, né? Qual seria então esse papel, né, dessa categoria, desse conceito, né, para compreender aí os fatos da atualidade como esse evento, né, que é a COVID-19, tá? Alors, je réponds à ce qui est écrit là, d'abord. Quel est le rôle du corpus au vol pour comprendre des faits d'actualité comme l'événement en pandémie? Oui, alors moi, j'aime bien cette notion un peu de corpus au vol, hein, puisque j'ai écrit un article, d'ailleurs, là-dessus. C'est différent, mais ça permet d'être plus... moi, je fais des corpus un petit peu au vol, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas... par exemple, quand j'interroge les gens, j'interroge les gens dans la rue, comme ça, dans le métro, au club de gym, enfin bon. Quand il se passe quelque chose comme ça, pour voir un peu les réactions à chaud, hein, d'accord, c'est quelque chose qui me semble important. Alors, ça ne peut être pas scientifique, mais en même temps, c'est une autre manière. C'est aussi important. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens maintenant aussi en sociologie qui travaillent parfois comme ça. Les deux ne s'excluent pas, hein, d'accord, mais on obtient d'autres choses. Qui me semblent intéressantes et qui sont intéressantes à discuter. On peut avoir des raisonnements justement qui sont spontanés, là, d'accord, une réaction spontanée. Oui. Alors qu'on n'a pas après, si on fait une enquête plus poussée, on aura autre chose, quoi. Alors, ça ne s'exclut pas, hein, pour moi. Je veux dire que là, ce serait vraiment intéressant dans un vrai travail d'équipe, d'accord, où il y ait des gens qui puissent faire des choses différentes. C'est ça. D'accord. Ne pas travailler sur la même chose. C'est vrai que nous, on avait commencé à travailler sur un même corpus, mais quand même, quand on a commencé au CDiscord à travailler sur un même corpus,
c'était chacun avec ses entrées différentes. Donc, on avait pris le tremblement de terre à Los Angeles. On avait chacun des entrées différentes. On s'était dit, on va prendre le même corpus pour voir comment on va le traiter. Et ce n'était pas inintéressant, hein, d'accord ? Parce qu'on s'apercevait qu'au fond, qu'on n'avait pas forcément des mêmes objectifs, etc. Alors, ce qui fait que quand on fait des projets de recherche, par contre, il faut se recentrer, mais en même temps, on peut avoir justement ces petits corpus différents qui me semblent apporter quelque chose. Parfois, ça permet effectivement de construire après de vrais corpus, c'est-à-dire des corpus plus larges. Ça donne des idées pour construire un grand corpus. Et c'est ça qui me semble intéressant. Et puis, il permet effectivement de faire travailler des choses très, très, très pointues, et puis ensuite des choses plus larges. Alors, comment penser à ce mouvement de méfiance sur un gouvernement qui partage des infos fallacieuses et fabuleuses comme le Brésil, où l'angoisse est constante? Bah, écoutez, je ne suis pas au Brésil, je pense que vous avez plus de choses à dire. C'est très difficile ici. Ah, d'accord. Ben oui, mais alors on les entend aussi, hein, enfin on entend, on les lit, hein, d'accord, on les lit. Parfois, oui, bien sûr. Effectivement, c'est normal que le mouvement de méfiance envers le gouvernement soit plus important que d'autres. Mais je pense que c'est pas le seul, hein, je veux dire, il y en a d'autres sur les infos fallacieuses et les fake news. Oui, ben il y a des pays comme ça. Je pense qu'il y en a aussi en Europe. Enfin, je dirais que on est certainement du côté de l'Europe de l'Est, je pense qu'il doit y avoir aussi ce genre de choses. Mais on les connaît mal, ces pays-là, et on a peu de renseignements là-dessus. On sait peu, d'ailleurs, ce qui se passe. Je pense qu'on n'a sans doute pas les chiffres exacts pour ce qui se passe en Russie. Je ne pense pas que John Hopkins les ait non plus, hein, d'accord ? D'ailleurs, on en parle peu, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a des pays où on ne sait pas très bien ce qui se passe, donc... C'est déjà assez compliqué. Mais, alors oui, là, ça, c'est le problème des fake news et des infos fallacieuses, ce qu'on appelle infox maintenant en français. C'est un problème, et c'est le problème des réseaux sociaux aussi, hein, je veux dire, qui... ça, c'est... Je ne sais pas comment on peut lutter contre ça, sinon essayer de faire de la contre-information, de la bonne information, mais c'est très difficile, parce qu'une fois une chose est dite, c'est le problème, ça, de l'argumentation, c'est qu'une fois que quelque chose est dite, hein, vous ne pouvez pas vraiment la nier. Vous pouvez contre-argumenter, mais avec des arguments puissants qui démontrent que c'est faux, mais... c'est très difficile si les gens sont capables de croire, mais il y en a en France aussi, hein, sont capables de croire à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je pense que là, c'est une éducation qu'il faudrait commencer très petit à l'école. Bon, c'est l'éducation aux médias, bon, on en parle beaucoup en France aussi. Il faudrait une éducation aux médias qui soit intégrée dans l'éducation très tôt. Mais c'est difficile. Bon, ça se fait en France un petit peu, hein, l'éducation aux médias, on en parle quand même pas mal. Ce qui est important parce que, effectivement, parce que les enfants les regardent très tôt maintenant aussi, donc en plus en famille. Ah non, Aline, je n'ai pas publié sur ce sujet, Aline. Non, ce que j'ai dit, c'est que de toute façon, on s'était dit aussi au départ qu'on ne voulait pas publier trop tôt. C'était un peu difficile de publier comme ça à chaud. Alors, je pense que c'est bien qu'il y a des gens qui le font, hein, mais je veux dire, non, pour l'instant, non. J'ai fait ça pour ici. Alors, ça, je peux peut-être l'écrire, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire pas plus loin, je peux pas, en disant très bien que c'est juste des pistes de réflexion. Peut-être après, bon, pour l'instant. J'ai accepté de faire cette communication, cette conférence, donc j'y ai travaillé à partir de ce que j'avais fait, sinon je n'aurais pas écrit. Voilà, je n'ai pas encore décidé d'écrire là-dessus, je vais peut-être continuer un peu, oui, pour l'instant, mais voilà, je vais... Parce qu'on trouvait que c'était aussi dur d'écrire dans l'urgence et que c'était un peu dangereux, hein, puisque... C'est vrai que beaucoup de gens écrivent, mais c'était un peu dangereux puisqu'on ne savait pas du tout comment ça allait développer, comment ça allait tourner. C'était difficile parfois de faire des enquêtes aussi auprès des gens qui étaient touchés. Bon, donc,
Non, je pense que j'écrirai peut-être un jour là-dessus. Enfin, bon, là, j'ai parlé dessus, c'est déjà quelque chose. Je n'avais jamais parlé dessus non plus. Voilà. Oui, alors, ce discours de la guerre, oui, c'était... Bon, c'est, disons que c'est... les métaphores et ces images sont toujours très présentes. C'est-à-dire que la crise du chikungunya à La Réunion était traitée aussi comme la guerre aux moustiques. C'était la guerre contre les moustiques. Et alors, c'est passé parce que c'était la guerre contre les moustiques, mais quand même, c'était les mêmes termes. Hein, c'est-à-dire que tous les termes qui étaient employés après ont été employés contre les moustiques au chikungunya. On a fait faire la guerre, l'armée devait intervenir contre les moustiques. Bon, c'est-à-dire que je pense que c'est un discours métaphorique qui est souvent présent. Moi, je ne l'aime pas, mais c'est des raisons personnelles. Donc, oui, enfin, c'était pas... Moi, je n'ai pas... j'ai pas tellement apprécié, mais enfin, j'ai pas fait tellement attention non plus à ça. C'est vrai que ça a été contesté aussi en France. Hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont contesté. Oui, c'est pas. Mais c'est quelque chose qui est très très fréquent, même contre les épidémies de moustiques. Vous voyez, donc, oui, ça a été très employé aussi. Contre les moustiques. Et à ce moment-là, je crois pas que ça ait soulevé beaucoup de polémiques. Vous avez des exemples là-dessus. Alors, le débat sur la chloroquine, on ne sait pas si c'est des infox ou pas. Est-ce que c'est vraiment des infox? Je pense que Il y a eu beaucoup d'infox, mais il y a eu de tout hein, sur les infox à propos de la chloroquine, à propos de l'eau de Javel qu'on avalait, qui ferait passer le virus, il y a eu tout eu, pareil. Que les Français sont peut-être moins, d'une manière générale, sont moins prises là-dedans, parce que, d'une manière générale, les Français font quand même confiance dans leur système de santé. D'accord ? Alors, le problème là, c'est que ce n'est pas seulement une question de santé, c'est que c'est une question là de recherche. C'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire, il y avait déjà eu le chikungunya, c'était ça. Au début, il n'y avait rien contre la maladie. Il y a eu des morts. Mais la seule chose qu'on faisait, que les gens allaient à l'hôpital, c'est qu'on leur donnait de l'efferalgan. Donc, on leur donnait de l'efferalgan. Et c'était la seule manière. On ne savait pas soigner non plus. C'était pareil. C'était vraiment pareil. Et donc, on ne trouvait pas. Donc, la chloroquine, je pense qu'il y a eu des effets qui ont été peut-être positifs sur certains cas, apparemment. Hein. Mais le débat était peut-être parce que des gens mettaient ça comme quelque chose qui pouvait être un remède, alors que rien ne prouvait que c'était quand même... Pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y a pas non plus, pour l'instant, vraiment, ni de vaccin, ni de manière de soigner hein, la pandémie. Donc, il y a eu des infox, il y a eu sans doute aussi des gens qui en ont pris et qui ont été soignés, mais ça, on n'a pas, je pense. La recherche là, qui repose quand même sur des statistiques, là, il faut quand même beaucoup de cas. D'accord, pour décider que c'est positif ou pas. D'accord. Et donc là, ça ne peut pas se faire sur le champ. Quoi. Donc, la chloroquine, on en a beaucoup parlé à cause du professeur Raoult, on en a aussi parlé au Brésil à cause du professeur Raoult, je crois. Bon, alors il est passé souvent à la télé, il a fait des interviews, maintenant on entend moins. Je pense que lui essayait de trouver aussi sa manière de soigner les gens. Hein. De toute façon, maintenant, on essaie de soigner quand même les gens. Donc, il y a plusieurs médicaments qui servent, mais pour l'instant, il n'y a pas de remède miracle, hein, ça c'est clair. Donc, les essais, c'est les essais qu'on fait, mais
Et c'est normal aussi d'essayer quand même si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Je crois que quand on ne sait pas, il n'y a pas d'autre solution. Mais des infos que je ne sais pas s'il y en a eu dans les débats publics, je ne sais pas. À la télé, j'ai pas regardé, moi je regarde pas les réseaux sociaux et les infox. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, disons, sur les médias reconnus, etc. J'ai pas. On disait exactement que ça avait pu être efficace sur un certain type de patient, mais on savait pas si c'était ça aussi seulement. On peut pas savoir. Donc là, on n'a pas les moyens pour l'instant de savoir si. Je crois qu'il faut encore continuer les essais, hein, je pense. À défaut d'avoir les moyens de soigner réellement, de remède, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de position personnelle là-dessus, parce que là, c'est vraiment un débat de médecins. De médecins et de chercheurs. Voilà, donc. C'est ce qui me semble important. Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Não temos mais nenhuma questão, professora. Então, em nome do nosso grupo, né, da Tamires, da Júlia, né, do nosso departamento, da nossa universidade, queremos agradecer a sua excelente conferência, né? Eu queria deixar registrado também, professora, a sua solidariedade intelectual, né? A senhora sempre recebe a nós brasileiros, né? Recebia antes da sua aposentadoria, né? A nós brasileiros, nos seus cursos, né? Sempre com esse jeito fraterno, sempre com esse sorriso no rosto. Então, muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo, né? Eu fiz um curso seu em 2003, né? E a senhora me recebeu, sim, desse jeito que a senhora é, né? Sempre de maneira muito fraternal, sempre ajudando as pessoas que vão lá fazer os seus cursos. Então, professora, muito obrigado também por essa excelente conferência, tá? Fica aqui o convite também para a senhora publicar o texto dessa conferência na nossa revista, tá? Posteriormente, a gente entra em contato com a senhora para ver questão de prazos, tá? E, assim, muito obrigado de coração mesmo, tá? Por essa excelente conferência, extremamente esclarecedora, né? Muito obrigado, professora, tá? E muito obrigada por todos, o que eu já aperçu, que eu conheço, que eu já aperçu. La photo, la tête, voilà. Merci beaucoup. Muito obrigada. Merci beaucoup. Nós é que agradecemos, professor, tá? E, bom, a palestra, a conferência está disponível no YouTube, tá? A gente agradece aí a todos os participantes, a todas, todes e todos, e até a próxima quarta-feira, que a gente terá mais uma live do nosso projeto, então, Discurso em Tempos de Pandemia, tá? Tchau! Tchau! Valeu!